fast fish. Voilà, première poisson. Poisson à peu près 15 kg, j'ai pas encore pesé. Round about 30 pounds. Voilà. Pris sur un IQ D-rig avec une wafter fruit tela chez Main 9. Caught on our IQ D-rig with a fruit tela wafter. Hop. Side of that. The other side, voilà de l'autre côté. Bon. Ça fait 2 heures que je pêche, 2-3 heures que je pêche, et puis première poisson. On va la remettre à l'eau, on va remplacer la canne, et on va voir si on peut en prendre un autre. So we're gonna get it back in the water, put the rod back out there, see what the night brings. It's a great result after 2 hours fishing, though. No? Come on. I weighed off the sling anyway, donc j'ai déjà taré le truc. Donc ouais, 15 kilos. 33 pounds. Alright, let's get her back. Happy days. Right, second fish. Donc voici deuxième poisson. La nuit vient juste de tomber. So, nice, he's got it. This is rattled off. Again, wafter, fruitella wafter, IQ D-rig. Donc encore le wafter fruitella sur le IQ D-rig. Et voilà, un poisson solide. Vraiment un super poisson, un poisson qui va vraiment grossir. Ça a un look solid fish. Voici de l'autre côté, he's the other side of it. Super fish. Alright, let's get it back. Allez, on va la remettre à l'eau. Super, deuxième poisson. Right, so you go full fish, un quatrième poisson, on va la montrer. Voilà, here it is, again on the IQ D-rig, fruitella wafter, encore une fois sur le IQ D-rig, avec le wafter fruitella, c'est la seule canne qui part. Donc voilà, c'est le seul rod I'm getting the action on. Another nice pulled fish, around about 25 pounds. On va la peser vite fait. Voilà, je viens d'enlever le sac parce que tout à l'heure je l'ai enlevé, mais j'ai changé de sac depuis. So I've just taken the sling off for the weigh-in. Donc là, nous avons. How big does she go? She's gone 28 pounds. She's gone 13 kilos. Donc 13 kilos. 13 kilos, voilà. Super poisson. Plus petit jusqu'à là. Voilà. Donc voilà, toujours en direct de Nutricarp. Nutricarp, étang du Furet. Je suis rendu à. Je crois maintenant c'est une dizaine de poissons. So we're still live on the banks of Nutricarp, Lake Fury. I've had about 10 fish now. I haven't been able to show every fish because we've had real bad weather. The trees have come down, gale force winds, heavy rain has made things really hard. So I haven't been able to show every fish, but they've all been around 30 pounds.
Donc j'ai pas pu montrer tous les poissons parce que bon, avec la météo, c'était incroyable. Les sapins y dansaient, c'était quelque chose. Donc je suis rendu après une dizaine de poissons, je pense, en 48 heures de pêche. Donc ouais, c'est très bien. En plus, tous les poissons sont autour de 15 kilos. Donc, j'en ai fait une, je crois, que de 13,5. Mais sinon, tous les autres, c'est 14,5, 15 kilos. Pareil que celui-là, il fait 14 kilos. Donc c'est un petit poisson très court, mais très gros. Ça, c'est des stumpy fish. Voilà. La lumière, c'est pas terrible. Voilà, elle est là. Super poisson. I love the fish. Avec 14 kilos. Feuille peinte. Attrapé sur un IQ D-Rig avec les Wafter Frutella chez Mainline. Il n'y a que ça qui marche. En ce moment, j'arrive à les faire avec ça. C'est un IQ D-Rig. Le Mainline Wafter. Frutella Wafter. That's what I'm catching on at the minute. In the bait boat with some hemp. And some pellets and some soluble boilies. Donc tout ça dans le bateau téléguidé avec du chenvi à l'amande qui marche très bien. C'est un produit qu'un collègue de travail m'a vendu il y a quelques semaines chez un produit chez Hurricane Carp, je crois. Donc, c'est du chenvi et des amandes et c'est broyé. C'est bien comme quand tu le fais cuire, ça devient vachement blanc. Le fond de l'eau, ça fait une belle petite tache avec l'huile qui remonte du chenvi et tout, c'est un bon produit. Et les poissons, ils sont en train de le chier sur le tapis. Voilà, super poisson. Bon, on va la remettre dans l'eau, on va essayer de prendre sa grande sœur. Let's get back in the water, try and get some big ones. Donc après on repasse ici, après toujours derrière et on ressort toujours à l'intérieur de l'hameçon, toujours comme ça. Puis après on laisse une petite boucle, leave a little book, on fait le tour 3 fois, 3 times, et on remonte et on repasse comme ça. Hop, mouille un peu et voilà. There we go. Donc là on a les bases d'un IQ D-Rig. Donc là c'est normal qu'il se porte comme ça. Tirer un peu. There we go. Donc après, un petit sinker, j'ai récupéré, c'est un sinker, c'est un autre montage. Moi j'ai coupé le montage et puis j'ai récupéré le sinker. Donc tout simplement je l'ai mis sur un spicy needle. C'est une aiguille à épaissir pour pouvoir le renfiler sur le
so like you. So I put it on a spicer needle. I would think I would cut off an old rig, put it on a spicer needle, and just put it back on the rig, so that way it saves them. Then we've got the Arkidu rig with a little tungsten sinker, donc avec le petit sinker tungsten. Après, on va prendre un émerillon comme ceci, avec la petite loupe en plus, et toujours l'attacher comme ça, de ce côté là. Ça aide un peu le montage articulé quand on le jette, et puis ça évite, ça aide aux emmêlages. De toute façon, c'est un montage, ça ne s'en mêle jamais ça. Sur un lead clip ou un hélicoptère, ça ne s'en mêle jamais. Donc un petit nœud normal, hein, 5 fois, on retourne et puis on retourne, on mouille bien, on tire bien. Et voilà. Donc là, pareil, on met un coup de briquet là pour pas que ça glisse. Normalement ça glisse pas, mais pour être sûr. Donc là, here we go, IQD rig. Donc un montage IQD rig. Et là-dessus, on va mettre un wafter Frutella. Et avec un hameçon de 4, ça c'est nickel. La bouillette elle reste juste au-dessus de l'hameçon, le poids de l'hameçon ça l'emmène dans le fond, c'est parfait. So with a size 4 and these 18mm wafters, it's brilliant. Balance is great. Hook slowly sinks the bait, so you're left with a slow sinker, a wafter. It's a really, really lethal rig. Voilà. On l'enfile. Il met le stop bouillette. Du premier coup. Voici le produit fini. IQD rig avec le wafter. There it is finished. Un montage très 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 agressif et très très bon montage. A really aggressive hook and a really aggressive rig. Really really good rig to use on big gravel pits. As long as the bottom's nice, and that's, you imagine it sitting on the lake bed. That's a great rig. Over seal, as long as there's not too many like things on the bottom, that rig. Un montage qui va vraiment vraiment faire du dégât sur les plans d'eau que vous pêchez. Que combiné surtout avec le wafter là, Frutella chez Mainline, à essayer. Je vous le conseille fortement. Donc un autre montage que j'utilise aussi, ici à NutriCarp, c'est je sais pas comment ils appellent ça en français, mais en anglais on call it the Ronnie rig. Well, there's a lot of people call it a lot of different names, mais bon, c'est un montage que tout le monde va reconnaître. C'est un montage pop-up. Ça, c'est un montage avec un faux asticot. Ça, c'est un montage, ça pêche très bien aussi. En bille isolée. Ça, c'est vrai que ça apporte beaucoup de poissons. Ça, c'est un great rig to use as a single hook bait. It's blasted out at fish showing, at range, close in. You can really incast it out really quick and just move on to the fish, and you know that you got a rig was not tangled and a rig was always fishing. Tu sais que t'as un montage qui s'en mêlera jamais et que ça pêche toujours quoi. Et même si le poisson prend la bouillette et recrache, vu que tout est rigide, elle va le prendre, elle va le recracher, mais il va revenir, boum, il va attendre le prochain. Et le prochain, il va se piquer, puis c'est bon, tu l'as. Voilà. That's always a rig was going to be fishing, even if the fish takes the bait in, spits it out, boom section, push it all back and it come back down and sit properly, so that when the next fish comes along you catch him, you hook itself and you land yourself a nice fish. So this rig's caught me a few fish with the IQD rig on my session here at NutriCarp. I've got one more night, I'm moving swim, donc j'ai encore une nuit, je vais changer de poste, je vais avec Guillaume, le poisson s'est déplacé dans le fond, donc on va attendre jusqu'à 2h30 et on va plier, on va aller en face. So about 2:30 I'll be moving swims. I've had a word with Guillaume, the owner, and he said it's okay, I can move. So another hour or two I'll be over the other end of the lake chasing the fish because they've all moved down there. Happy days. Voilà, 11e poisson. Suite au changement de poste. So there's 11th fish after that swim change. Encore un joli poisson. De l'autre côté, ils y sont arrivés. Super content, encore sur IQD rig avec le wafter, avec le bateau téléguidé posé sur les poissons qui marsouillaient.
Ça dropped on fish that was showing. Donc voilà, la preuve qu'il faut toujours bien surveiller l'eau. Et quand on les voit, il faut poser les cannes dessus. Et voilà ce que ça peut donner. 11e poisson. Et tous les poissons étaient pris avec l'observation, surveiller l'eau. So every fish was caught and watching the water. And putting the rods on them when you see them. Happy days. Let's get it back. Voilà, pile au coucher du soleil. J'enregistre deux départs. Poisson de 15 kg et un autre de 16,5 kg. So, here we go. This is the night full. Phil, I had two runs, double run. Had a 33, I think it was. And this one is it's about 38 pounds, I think. 16.5 kilos. Bon, elle n'est pas mignonne, elle, hein? Bon, et ben. Voilà. À peu près 16 kilos et demi. Super poisson. Great fish. Allez, montrer l'autre côté. Voici l'autre côté. On fait à moitié 2 tonnes. Allez, moitié 2 tonnes. 2 tonnes. Voilà, super poisson. Encore sur l'écu d'Eric. Fruit à la wafta, sur des poissons qui marquent swingé. IQD rig, fruit à la wafta again. Taken out there on the bait boat, fish head and shoulder in. That's what you get. Happy days. Alright then. Bon allez, on va la remettre dans l'eau. Super poisson. 12 poissons. Allez, on va la remettre dans l'eau. Mouah. Donc voilà. C'est le coup de, je crois qu'il doit être vers 11h, 11h30 je pense, un truc comme ça. Ça a spanned about half 11 on the last night. Just had another run. Je viens d'avoir un autre départ, 13e départ. 13e poisson. Encore un poisson de 15 kg. Faut croire que je suis abonné au poisson de 15 kg. C'est un another 33 pound mirror. Ça looks like 30 pound mirrors. They like me. So I hoist her up. Show you the fish, really pretty fish. Très joli poisson. Encore un poisson bien solide. Qui demande qu'à manger des bouillettes. Et puis, c'est bien grossi. Super poisson. 33 pound mirror here at NutriCup. Absolutely loving it. It's my last night. 13 fish. All been good 30s. Few have been under. A little grass carp. Lost a right donkey. There we go. 33 pound mirror. Absolute peach of a fish. Look at that. Mais la plupart entre 15 kilos. Des magnifiques poissons. Allez, je la remets dans l'eau. On va continuer le reste de la nuit, voir ce que ça va donner. Et demain matin, on va plier avec le sourire. Allez. Je vais vous montrer quand même, encore une fois, ce côté. Allez là. Sublime. Voilà, 14e poisson, four winged fish, 12 kilos, 28 pounds. Encore sur l'IQ d'Eric avec les wafta frutella. Allez. Bon, ça fait du bien de ne pas avoir trop de flotte, pas de vent, et de pouvoir écouter l'eau, entendre les poissons sauter la nuit et puis pouvoir sortir, puis filmer, puis prendre des photos, parce que là, les premières 48 heures, c'était la catastrophe. Donc voilà, 12 kilos, 28 pounds.
l'autre côté. Là, c'est l'autre côté. Ça va s'enlever. Lovely fish. Et voilà. Bon, allez. On va la remettre dans l'eau. Je pense qu'elle a envie de repartir. Qu'elle aille chercher sa grande sœur. Super.